C'est bon. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette masterclass Success Story. Je suis Marnia Wasti, responsable pôle création de l'association Maroc Entrepreneur. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous à cette cérémonie de clôture de la 13e édition du programme Tremplin Maroc. Bienvenue à nos invités, Sarah Bouchiri, Zineb Marnissi, Tamer Emdan. Nous attendons dans quelques minutes Driss Jabbar également. Nous allons discuter des apports de Tremplin Maroc pour ces jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs chevronnés. Nous allons également discuter de leur aventure entrepreneuriale. Ça va être en deux parties, cette masterclass va être en deux parties. Donc la première, une discussion et une présentation de chaque porteur. La seconde partie, des questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur la partie dédiée. Je vous donne la main pour vous présenter chacun à votre tour. On peut commencer avec Sarah Bouchiri, on suit avec Zineb et ensuite Tamer Emdan pour commencer. Alors, bonjour à tous, je suis Sarah Bouchiri de l'édition, de la 10e édition de Tremplin Maroc. Alors, si je devais revenir et résumer mon histoire avec l'entrepreneuriat, je dirais que pour moi, l'entrepreneuriat, ça n'a pas été une évidence dès le début, mais plutôt un cheminement auquel Tremplin Maroc a fortement contribué. Donc, si je fais un petit retour en arrière, donc, j'ai fait après le bac des classes prépa, puis une école d'ingénieur. Et lors de ma spécialisation en quatrième année à l'école des mines, j'ai choisi un parcours autour de l'énergie. Suite à ça, en fait, j'ai rejoint un premier cabinet de conseil, puis un second. Donc, j'ai fait en fait toute ma première partie de carrière, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, dans le conseil en stratégie. L'idée de l'entrepreneuriat a germé d'abord à travers les cours que j'avais suivis en école. Puis, lors des participations à différents salons et événements autour de l'entrepreneuriat, et ça a atteint, si j'ai envie de dire, son paroxysme lors de ma participation à Tremplin Maroc avec le projet Waste Energy. Alors, ce que m'a permis en fait de réaliser, ce que Tremplin Maroc m'a permis de réaliser, c'est un, que l'entrepreneuriat c'était fait pour moi. Deuxièmement, ça m'a permis en fait d'aiguiser mon esprit entrepreneurial et surtout en fait d'apprendre à structurer et faire naître un projet entrepreneurial en passant par les différentes étapes. Donc ça a été un enseignement assez fort parce que finalement c'est en faisant que l'on se rend compte des différentes difficultés ou alors des choses à débloquer pour monter une entreprise. Suite à ma participation à Maroc Entrepreneur, enfin à Tremplin Maroc, avec mon projet Waste Energy, j'ai passé une année dessus en fait à essayer de monter la boîte, mais finalement le fait que dans le business model, ça demandait des investissements importants, que le marché était pas suffisamment mature à cette époque-là pour un projet entrepreneurial autour de la valorisation des déchets, j'ai pivoté en fait vers un autre projet sur lequel je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait, je suis la cofondatrice de Voicen. Et ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux entreprises, notamment du secteur des cosmétiques, de suivre la performance des produits en analysant les avis des consommateurs laissés sur les différentes plateformes. Donc en fait, on va s'occuper de la collecte, de l'agrégation et de l'interprétation des avis. On les restitue sous forme d'une solution SaaS pour ces entreprises cosmétiques. Donc en fait, j'ai changé de secteur, j'ai changé de modèle en fait. Donc je suis passée de l'infrastructure quelque part à du SaaS, donc du logiciel. Donc c'est des dynamiques complètement différentes, mais l'aventure au sein de Tremplin Maroc m'a permis en fait d'acquérir la base que j'ai répliqué finalement dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Donc, avec Voicen, donc on a été incubé à School Lab, puis ensuite on a rejoint Station F dans laquelle on est aujourd'hui. Et en parallèle, on est accéléré à Beauty Hub, qui est un accélérateur de la Cosmetic Valley.
Donc aujourd'hui, on est une équipe de 5. Et voilà, ça se passe plutôt bien. On a nos premiers clients dans un secteur auquel je ne me prédestinais pas du tout, mais qui me plaît finalement. Donc, je laisse la parole peut-être à Zineb. Très bien. Eh ben, c'est très fascinant, Sarah. Enchantée d'apprendre plus sur ton projet. Et c'est marrant parce que j'ai pivoté un petit peu aussi, hein, comme quoi l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours facile. Hein. Pour peut-être une des histoires des success stories ou des unicorns qu'on lit sur Internet ou dont on entend parler, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs échecs et plusieurs coups durs cachés derrière. Donc, moi, de mon côté, donc, pareil, classe prépa, école d'ingé informatique, diplôme en poche, mais même avant le diplôme, en fait, hein, donc, quand on est en école d'informatique, il y a de la concurrence partout. Donc, j'ai toujours essayé de me distinguer. Hein, c'était mon objectif, c'est que mon CV, il soit stellar, enfin, qu'il se distingue du lot. Donc, j'ai toujours cherché les opportunités, que ce soit en junior entreprise, que ce soit, donc, j'ai fait un parcours Maroc et France. Donc, j'ai fait un double diplôme. Donc, au Maroc, déjà, les professeurs qui étaient propriétaires de leur propre boîte, qui avaient des entreprises, chefs d'entreprise. Donc, j'essayais de gratter s'il y avait des petits projets qui pouvaient nous filer pour améliorer mon CV, pour que ce ne soit pas juste un CV jetable ou un CV identique où juste le nom change, hein, d'étudiant à étudiant. Donc, j'étais plus dans ce domaine-là. Donc, c'est ce qui m'a toujours motivée. C'est ce qui m'a poussée à créer Student Hill. Student Hill, c'est une plateforme de mise en relation entre étudiants. Hein. Le scope, il était très, très optimiste optimiste. Donc, étudiants et professeurs et entreprises. Donc, le but, c'était de remplacer les projets d'école par de vrais cas d'entreprise. Comme ça, quand on dit, par exemple, sur une carrière informatique, donc, chaque étudiant, il a développé un site web. Donc, au lieu que ce soit un site web jetable, donc, juste que tu as créé une plateforme que personne ne pourra vérifier ou valider, que ce soit peut-être que tu as fait le site web du fleuriste du coin ou du boulanger. Voilà. Donc, c'était l'idée. Sauf que, hein, donc, dans mon petit monde de bisounours où tout allait bien se passer, ce fut pas le cas. J'ai eu du rejet de la part des universités parce que, bien sûr, donc, il y avait de la facturation qui rentrait. Donc, les clients, ils allaient nous payer. L'étudiant allait être rémunéré. Je voulais donc, il y avait impossibilité de rémunérer le professeur. Donc, on voyait le système de rémunération de l'université. C'était tellement politique. Hein, et puis, les professeurs ne voulaient peut-être pas prendre cette responsabilité. Donc, c'est un petit peu tombé à l'eau. Mais je n'ai pas baissé les bras parce que j'ai toujours eu… confiance en ce projet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu pivoté. Donc là, j'ai une autre structure qui est Netarine. Donc là, c'est en face des clients, c'est des vrais professionnels. C'est des vrais professionnels qui garantissent la solution et la faisabilité technique des projets. Et derrière, donc nous, donc le corps de Netarine, on supporte et on travaille avec des étudiants derrière. Donc soit des étudiants ou des lauréats fraîchement diplômés qui soit ils ont leur premier boulot ou qui sont en recherche active de boulot. Voilà, donc de mon côté, Maroc Entrepreneur, Tremplin Maroc, c'était vraiment très, très enrichissant de par les contacts. Et c'était aussi bien, fail fast, donc échouer le plus rapidement possible. Ça aussi, c'est un enseignement très précieux. Donc, quand on a des contacts ou des gens qui sont super motivés, donc hein, parler, c'est facile, ou comme on dit, talk is cheap. Donc oui, bien sûr, on fera ça. Ou ah oui, projet intéressant, bien sûr, on pourra travailler ensemble. Hein. Quand on pousse le bouchon un petit peu plus loin ou quand on avance pour mettre en place le partenariat ou pour avoir des projets concrets à donner à ses étudiants ou enfin même que ce soit une école avec laquelle on parle, ben, au final, ça ne se concrétise pas. Voilà, donc c'était du networking, c'était du réseautage de qualité. C'était différents entrepreneurs aussi, hein, parce qu'on apprend des erreurs des autres. Et c'est aussi les différents séminaires ou formations auxquels on a eu droit, hein, parce que tout ce qui est business model, c'est vraiment pas ma tasse de café, donc il fallait vraiment faire les estimations pour voir à quel moment on allait être rentable, quels sont, enfin s'il y avait moyen, s'il y avait besoin d'investissement initial, combien de, enfin prêts de banque il fallait demander, enfin voilà tout ça a été bien structuré grâce à Maroc Entrepreneur. Voilà de mon côté. Merci Zineb. Je vous laisse Tamer. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, c'est Marhamden. Donc, je suis le fondateur
de deux plateformes de crowdfunding ou de financement participatif. La première s'appelle CoFundi et la deuxième AfriQuity. Donc, ce sont deux plateformes dédiées à l'Afrique, dédiées au financement de projets africains. CoFundi est une plutôt plateforme dédiée au financement de la solidarité et de la création des projets culturels en Afrique via du don. Et AfriQuity est plutôt une plateforme d'investissement, donc ce qu'on appelle l'equity crowdfunding, dédiée plutôt aux startups. Mon parcours entrepreneurial a démarré bien avant Maroc Entrepreneur, puisque lorsque j'étais en école d'ingénieur, comme mes camarades, c'était la première fois où je m'étais lancé. Comme je fais partie, je ne sais plus, en tout cas de l'édition 7 ou 6, ça vous donne une idée sur mon âge, mais bon, on ne pose plus ces questions ni aux hommes ni aux femmes. Donc, je vais m'abstenir de vous donner mon âge. Mais en tout cas, voilà, il y a quelques années, quand j'étais étudiant encore, je m'étais déjà lancé. Une première expérience d'ailleurs qui s'est faite vraiment par hasard. Hein. Je ne savais même pas ce que ça veut dire une entreprise ou une start-up. Je cherchais un job. Je me suis retrouvé dans un incubateur en pensant trouver un job. Je me suis retrouvé à créer une entreprise avec quatre camarades. Et l'aventure, elle a pris... en tout cas, fin au bout d'un an et demi, en tout cas, fail fast, c'est un enseignement à retenir. Après, j'avoue, je me suis retrouvé par la force des choses aussi à reprendre, entre guillemets, un parcours classique qui est de reprendre en tout cas un travail, un poste. J'ai fait une dizaine d'années dans le conseil, dans les services financiers, dans la banque d'investissement. Et à un moment donné, j'ai eu aussi cette envie de repartir. En tout cas, je pense, comme toute personne, il y a des cycles dans son parcours professionnel. Il y a des moments de doute et on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est pertinent? Est-ce que c'est vraiment ça ce qu'on a envie de faire? Et je m'étais posé cette question-là. Première réponse, j'ai pris mon sac à dos et je suis allé faire un tour du monde pendant 6 mois. C'était sympathique, mais il y avait toujours quelque chose qui manquait. Et donc là, il fallait faire un travail un peu plus important sur soi-même. Et je me suis rappelé de cette première aventure entrepreneuriale. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui m'avait marqué à ce moment-là. Est-ce que c'est peut-être ça qu'il faut revivre? Et c'est de là, en tout cas, je me suis dit, c'est peut-être le moment de me lancer. Et vraiment par hasard, j'ai... Je réfléchissais à ce que je voulais faire à ce moment-là, quel type de projet entrepreneurial. J'ai fait l'exercice pendant 6 mois avec un collègue à ce moment-là qui a eu cette même envie au même moment que moi. Et on s'était dit, toutes les semaines, on va chercher un projet à faire. On a fait toutes les idées. Je me rappelle même, on avait créé un parc naturel, un zoo, parce qu'on adorait les animaux, les documentaires animaliers, mais bref. Et au final, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec la finance. J'étais dans le secteur, je le comprenais. J'avais découvert le crowdfunding par hasard, vraiment par hasard, en tout cas, au tout début, c'était en 2012, en tout cas, je me rappelle. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, d'autant plus que j'étais dans les réseaux de la diaspora. Et on se disait, à chaque fois, quand on voulait faire quelque chose dans nos pays d'origine, c'était un peu compliqué. C'était soit de l'informel, c'était pas forcément bien structuré, c'était de l'associatif, mais on avait du mal à financer ou à investir dans des projets. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, et l'opportunité s'est faite effectivement avec Maroc Entrepreneur. En tout cas, j'ai pu intégrer le programme rapidement. En tout cas, je pense que j'ai été sélectionné aussi parce qu'il y avait cette idée de mobilisation de la diaspora, donc ça faisait aussi écho à ce que faisait Maroc Entrepreneur. Concrètement, ça a été assez structurant, comme mes camarades, dans à la fois la structuration du business, mais aussi dans sa mise en forme. Sortir au bout de quelques mois avec un business plan fait, avoir deux coachs derrière, je me rappelle en tout cas, et je les remercie parce que c'est grâce à eux finalement si j'ai pu sortir mon premier business plan. C'était parce qu'ils étaient là toutes les semaines à me dire, t'en es où? Qu'est-ce que tu fais? Avance. Et voilà. Donc, je pense que même à la fin, en fait, j'ai dû le sortir pour leur faire plaisir et pour éviter qu'ils soient toujours derrière mon dos, plus qu'autre chose. Parce que c'est quand même un exercice parfois qui peut être pénible à faire.
Et donc voilà, en tout cas, c'était à la fois cet aspect scolaire, mais qui est important, parce qu'une fois qu'on l'a fait, c'est comme tout comme exercice scolaire, finalement, on apprend à le faire même pour d'autres business, première chose. L'aspect réseau a été effectivement très, très important, et il le reste toujours. En tout cas, voilà, je suis toujours en contact avec l'association. J'ai eu l'année dernière aussi à interagir avec les entrepreneurs de l'année dernière, et du fait probablement aussi de mon activité, j'ai pu... garder aussi ce contact avec les startups de la diaspora, les startups en Afrique, en tout cas, puisqu'on a élargi le scope de l'activité au-delà du crowdfunding. Et connaissant aussi la complexité du contexte de l'entrepreneuriat et du financement, on parle toujours de l'entrepreneuriat, mais il y a aussi des problématiques de manque de financement. On a travaillé donc et on a développé des activités annexe à notre activité de crowdfunding, un programme d'accélération à ce qu'on appelle l'investment readiness, un réseau de business angel de la diaspora africaine et un startup studio que nous sommes en train de lancer. Donc, tout ça pour renforcer cet écosystème de la création d'entreprises et du financement des startups. Voilà. Merci, Tamar. Alors, on n'a pas encore de questions de l'auditoire. Ce que j'entends ici, c'est que aussi bien Sarah, Zineb que vous-même, Tamar, c'est une aventure qui est passionnante, l'aventure de l'entrepreneur. Bien entendu, il y a des embûches. D'après ce que j'entends, c'est que la première expérience entrepreneuriale n'est pas toujours la bonne. Donc, il faut tenter, il faut tester. qu'est-ce que vous pouvez dire justement pour un entrepreneur, enfin un entrepreneur qui vient de débuter et qui a une idée? Bien sûr, il y a toute cette partie scolaire par laquelle on passe, c'est la construction de son business plan qui n'est pas un exercice très très facile. Mais quel conseil vous donnerez justement à un entrepreneur qui a une superbe idée, qui lance et puis finalement il se rend compte que de passer à l'idée au projet réel concret sur le marché, c'est plus difficile. Donc qu'est-ce que vous pourrez lui dire en fonction de votre expérience à vous, enfin à tous les trois. Donc, je vous laisse répondre. Je peux commencer. Hein. Bien sûr, ce que je dirais, c'est si quelqu'un a une idée, qu'il se lance vite. Il faut des chiffres. C'est les chiffres, la réalité. Hein. J'avais à côté, donc j'ai pas dit tout à l'heure, mais à côté de tous les projets entrepreneuriaux que j'ai fait, il y en a un que j'ai pas cité, mais la majorité étaient des services et je voulais me lancer dans un produit. Donc, Sarah, j'ai essayé un petit peu la cosmétique, surtout habitant en France avec tous les produits du terroir marocain. Et donc, je me suis lancée, je ne parle même pas des problèmes des réglementations et autres, mais c'est juste plus le fait qu'il y a eu des commandes verbales. Donc, ce qui m'ont poussé à avoir un stock important, donc à importer un stock important. Et à la dernière minute, vu qu'il n'y avait pas il y avait rien de signé ou rien de concret, c'était vraiment juste un engagement verbal. À la dernière minute, on m'a planté. Donc, et ça s'est produit à plusieurs reprises. Donc, il faudrait ne pas faire confiance aux paroles, ne pas faire confiance à son cercle proche, parce que les gens, je ne sais pas, c'est peut-être tabou chez nous ou pas, les gens, ils ont peur de heurter les sentiments. Donc, moi, je préfère qu'on me le dise de facto, non. Ton idée, elle est pourrie, ça ne va pas marcher, ça ne m'intéresse pas, que de me dire, ah oui, c'est intéressant. Mais direct, si je le crée demain, est-ce que tu m'achèterais? Ou est-ce que tu serais prêt à dépenser tel ou tel comme sous? Donc, il faut se poser les bonnes questions et il faut, s'il y a une idée, partir rapidement, lancer, n'attendez pas, je pense que c'est Facebook ou LinkedIn qui l'a dit, si vous lancez alors que c'est parfait, c'est que vous avez lancé trop tard. Il ne faut pas attendre ça, juste que vous ayez un POC, donc un proof of concept ou quelque chose juste de tangible, tester, si ça marche, si ça attire du monde, c'est que ça a du potentiel, ayez des clients et ça vous permettra d'avoir et des business angels, des investisseurs et ça vous permettra d'avoir plusieurs perspectives et aussi le fait d'écouter le client, si ça se trouve vous avez une idée en tête et peut-être c'est les clients, ils vont vous faire pivoter un petit peu parce que vous êtes peut-être sur une niche ou sur quelque chose mais pas comme vous l'aviez en tête. Donc
sortez de chez vous, parlez-en autour de vous et essayez d'avoir des clients. C'est les chiffres qui comptent. Voilà. Et ne commencez pas, ne tardez pas. Ne tardez pas à finaliser le business plan. Ne tardez pas à avoir des partenaires. Ne tardez pas à avoir du financement. Juste lancez-vous. Je pense que les meilleures des idées, hein, elles peuvent commencer à... Enfin, un petit peu avec 100 euros, je dirais. C'est n'importe... Enfin, juste commencer avec le minimum possible. Réduisez les risques aussi. Comme ça, si vous échouez, il n'y aurait pas assez de pertes. Mais juste lancez-vous. Je rejoins tout à fait Zineb sur tout ce qu'elle a dit. Alors, je partage parfaitement en fait, ton constat donc, d'aller très, très vite sur le marché. En fait, c'est la meilleure manière de confronter son idée à son marché. Ne serait-ce qu'avec un MVP en fait, hein, un produit qui répond à des fonctionnalités, par exemple si c'est un logiciel ou un produit assez basique, pour voir en fait déjà si la sauce prend en fait. Déjà première chose. Deuxième chose que je rajouterais en fait, c'est en parler au maximum en fait, parce que on n'est jamais le premier à y avoir pensé. Peut-être juste soit le premier ou dans les premiers à vouloir concrétiser l'idée, mais d'autres y ont réfléchi. Donc, autant capitaliser en fait, sur cette matière grise qui a travaillé sur la question et sur l'idée. Ça permet aussi de voir des choses qu'on ne voit pas seul, en fait, ou même à deux si on est deux cofondateurs. Donc, une intelligence collective, c'est toujours plus efficace et plus facile que soi-même à se battre avec ses idées. En fait. C'est l'intelligence collective est extrêmement puissante. Enfin, c'est quelque chose dans laquelle je crois beaucoup. Troisième chose, je dirais, c'est... activer au maximum son réseau en fait et ne pas hésiter à commencer par les friends and family qui vont finalement vous permettre soit en fait de décrocher vos premiers contrats ou approcher vos premiers clients ou rebondir sur ce réseau de friends and family pour trouver d'autres personnes qui vont vous aider en fait. On dit souvent en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai essayé dont je suis intimement convaincue, c'est aller chercher de l'aide. Trouver des personnes bienveillantes qui vont vous aider en fait à trouver deux premiers clients, à activer un premier marché, à aller sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Et enfin, je dirais travailler la visibilité en fait, le marketing, pas nécessairement un marketing digital ou enfin des moyens précis, mais vraiment accroître sa visibilité parce que plus on entend parler de vous, plus vous allez économiser cet effort d'aller vers en fait vos clients en fait. Donc vous allez aussi à économiser du temps, de l'énergie. Et c'est vrai que quand on lance une boîte, bah, le temps, c'est un peu notre ennemi, en fait. On court après le temps. Donc, voilà un petit peu les quatre, je dirais, idées clés que moi, j'ai retenues de mon expérience. Très bien. Tamara, à vous. Le problème, quand on passe en dernier et que donc, ceux qui nous ont précédés sont brillants, c'est compliqué d'apporter plus de dire des choses pertinentes. Néanmoins, j'ai essayé en tout cas de compléter peut-être les points qui ont été dits et que je partage parfaitement. Peut-être un élément qui peut être important aussi, je sais assez souvent les entrepreneurs sont passionnés, en tout cas ils ont une certaine passion de leurs produits, de leurs projets ou de leurs services, en tout cas ce qu'ils veulent faire, ou du sujet sur lequel ils sont en train de travailler. Il ne faudrait pas que cette passion, en tout cas, leur fait perdre leur lucidité. En tout cas, ça rejoint les aspects des chiffres et du marché et tout. Et que, voilà, parfois, c'est un super produit, ça répond à un besoin important, mais il n'y a pas de marché, il faut rapidement s'en rendre compte et ça n'en remet pas en cause peut-être le produit, sa beauté ou sa pertinence, mais s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de marché, quoi. Donc, il ne faut pas penser que les gens vont l'acheter, même si parce qu'on est passionné. Donc, ça, c'est un élément important. Je compléterai probablement aussi les propos de Sarah, de bien s'entourer, mais surtout de bien s'entourer au niveau de son équipe. Et moi, j'ai vu en tout cas une erreur que même moi-même j'ai faite et d'autres l'ont faite, c'est qu'on essaie de s'entourer parfois par des gens qui nous ressemblent, en tout cas dans le cadre de nos équipes, alors qu'on a besoin de gens qui sont un peu différents de nous, qui nous complètent et qui ne soient pas forcément... en tout cas une copie conforme à nous-mêmes, parce que deux personnes qui savent faire la même chose avec les mêmes qualités dans une entreprise, ça ne sert à rien en fait. Concrètement, il faut des personnes complémentaires pour essayer de remplir le spectre global des compétences nécessaires. Et enfin, un autre élément qui devient d'ailleurs de plus en plus important, là je
mets un peu ma casquette sur l'aspect financement. On voit de plus en plus malheureusement d'entrepreneurs qui sont dans une logique réfléchir à une entreprise qui va lever beaucoup d'argent, pas forcément une entreprise qui va être rentable. Je rappelle tout simplement que les fondamentaux d'une entreprise qui est durable, c'est une entreprise qui arrive à être rentable. Donc, si ce n'est pas un objectif et le financement vient pour atteindre cet objectif-là, c'est qu'en fait, on n'a pas la bonne stratégie. La stratégie n'est pas de lever de plus en plus d'argent et de continuer à lever de l'argent avec une croissance infinie et une rentabilité inexistante. Ce n'est pas en tout cas un vrai. En tout cas, ce n'est pas forcément les fondamentaux d'un projet entrepreneurial. Il faut être, je pense, très vigilant par rapport à cela. D'autant plus qu'on rentre dans une période un peu crispée, probablement une crise où les fonds risquent aussi de tarir à un moment donné. Donc, cet élément doit être fondamental dans la stratégie et dans la façon de penser son projet. Très bien, je vous remercie. C'est vrai que, en tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'il est très important pour un entrepreneur de bien s'entourer. Donc, aussi bien l'entourage externe, donc peut-être des professionnels, des experts, des mentors, d'éventuels incubateurs également, des investisseurs, mais aussi son équipe interne, bien entendu, ses associés et les personnes avec qui il travaille, c'est très important. Bien entendu, la question du marché, tester son idée, et merci, je crois que c'est aussi bien Sarah que Zineb l'ont souligné, c'est de se lancer, dès qu'on a une idée, de se lancer avec des moyens, donc pas si énorme que ça, pour justement que dans l'idée où ça ne fonctionne pas, il n'y a pas autant de pertes, mais surtout rester dans le concret, donc ne pas faire confiance aux promesses sans de vrais contrats signés. C'est très important aussi. Ne pas lancer peut-être des idées avec des contrats, sans contrat signé. Beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, arrivent sur le marché avec des promesses et finalement, ce sont des promesses qui ne se concrétisent pas. Une dernière petite question peut-être pour les entrepreneurs qui souhaitent justement se financer, faire des levées de fonds parce que justement leur projet le nécessite. Quels conseils vous donneriez et voilà, assez rapide comme question parce que nous n'avons que quelques minutes. Alors moi, qu'est-ce que je dirais Avant, c'est vrai qu'on a de plus en plus tendance de voir une course au levée de fonds, en fait. La levée de fonds est nécessaire, surtout quand on a envie d'aller vite, parce que soit le marché le demande ou alors les concurrents sont là, donc il faut accélérer son développement. La levée de fonds est nécessaire. Toutefois, en fait, je vois deux choses. C'est premièrement, ça ne sert à rien de courir après une levée de fonds si on n'a pas fait la preuve de son marché, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait la preuve que notre produit ou service fonctionne, qu'il est réplicable et qu'on peut le vendre. Et d'ailleurs, en fait, les investisseurs aujourd'hui, ce qu'ils attendent, bien entendu, parce qu'ils attendent un retour sur investissement quand ils mettent leur argent, c'est d'être sûr que quand ils vont mettre leur argent, l'entreprise va croître. En fait, la levée de fonds n'est pas une finalité, mais juste un moyen pour accélérer son business, en fait, concrètement. Et du coup, deuxième conséquence, c'est qu'il faut, dans un premier temps, commencer à vendre par soi-même, en fait. Il faut se débrouiller pour faire un premier bout de chemin soi-même. Et la levée de fonds va intervenir au moment où, en fait, on a juste besoin d'accélérer. Typiquement, seul ou à deux, ou une petite équipe peut faire des choses, mais on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, on a besoin d'être 10 pour le faire. Mais ça ne veut pas dire que la levée de fonds va résoudre, en fait, les problèmes de base ou répondre aux questions de base, en fait. C'est juste qu'elle va permettre d'accélérer, d'aller plus vite. Si on est sûr que on ne peut pas arriver en partant du point A au point B seul, la levée de fonds ne va rien y changer, en fait. Elle va juste nous permettre d'arriver plus vite et plus fort, en fait. Voilà, pour moi, c'est vraiment un accélérateur de business et pas du tout une fin en soi. Et je m'arrête là.
Alors, merci beaucoup. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, sachant que c'est en live, ça va couper. En tout cas, je vous remercie, Sarah Bouchiri, Zineb Marnissi et Tamer Emdan pour votre présence. Vous êtes toujours là dès qu'on vous appelle. En tout cas, merci de votre temps que vous nous avez accordé aujourd'hui, mais aussi l'excellence de cet échange. Nous allons passer à la seconde masterclass qui est sur le digital. Donc n'hésitez pas à continuer à échanger sur l'application Swapcard et s'il y a des personnes qui souhaitent se connecter avec vous pour avoir peut-être des informations supplémentaires. Voilà, merci et à tout de suite. Merci. Bonjour. Salut Lamia. Bonjour. Bonjour Hichem. Bonjour Hichem. Bonjour Lamia. Bonjour Nasser. Bonjour tout le monde. Bonjour Lamia. Je suis désolée, j'ai été connectée du coup. Bonjour Hichem. Ça va Nasser? Très bien, toi, ça fait plaisir de te voir. Voilà, nice new look. Hein? Yeah. Oui. Asma, nous sommes en live. Pour info, vous êtes en live. Ah. Bon, Hichem, fais attention à ce que tu dis là. Ah, non, je dis des choses bien. Quoi. Très bien. Le confinement donne des inspirations. Bon, bonjour à tous. Bonjour Hichem, bonjour Nasser, bonjour Lamia. Bienvenue à cette masterclass et bienvenue à cette cérémonie de clôture de la 13e édition du programme Tremplin Maroc. Bienvenue à nos internautes qui sont connectés, aux participants. Merci pour votre participation. Donc, nous allons commencer cette masterclass qui s'intitule donc, la digitalisation des entreprises marocaines, qui va durer 45 minutes. Nous allons passer d'abord à un échange entre donc vous, Hichem, Lamia et Nasser, et ensuite à des questions-réponses donc des internautes. Je vous laisse la main, je vous en prie. Lamia, merci beaucoup. Honneur aux dames. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je remercie Maroc Entrepreneur pour cette belle initiative et c'est toujours un plaisir pour moi d'y participer. Ce n'est pas la première fois que je participe, mais c'est la première fois en tout cas sur le digital. Et je vous félicite d'avoir maintenu cette 13e édition et d'avoir invité tout ce panel pour justement discuter d'une chose très importante qui est cette mutation digitale. Et bien sûr, notre pays, le Maroc, cette année a réussi un bond et un grand pas vers le digital parce que ce n'était plus un choix, c'était une nécessité pour qu'on puisse maintenir les activités comme elles étaient ou même mieux parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, c'est grâce au digital que l'administration publique a
pu continuer à offrir ses services aux citoyens, que les entreprises privées peut-être sont devenues plus compétitives qu'auparavant. Quoique, il est vrai que le Covid n'a pas malheureusement en fait, a frappé de fort certaines activités et certaines ont été freinées dans leur élan, d'autres ont souffert dans leur activité opérationnelle. Mais soyez sûrs en tout cas que les entreprises qui opèrent sur le digital, je dis bien qui produisent le digital, elles n'ont pas souffert. Au contraire, elles ont profité de cette crise pour être plus, pour adapter leurs solutions, adapter leur offre, être plus agiles et être à l'écoute des nouveaux besoins inédits qui ont été induits par cette crise. En tout cas, moi, en tant que société gestionnaire des Technoparcs au Maroc, nous avons réussi à faire mieux que nos objectifs normaux. Donc, cette année, nous avons accueilli beaucoup plus de startups qui opèrent dans le digital que les précédentes années. Si j'ai à comparer 2020 depuis le démarrage, puis 2002, eh ben, cet indicateur il a atteint le sommet. Et tout cela prouve qu'il y a des compétences locales, qu'il y a des solutions innovantes produites par les Marocains et qu'il y a un réel besoin par le marché local, régional, continental sur ce volet-là. Et je parlerai tout à l'heure sur les différentes initiatives qui existent aujourd'hui, sur l'éclosion de cet écosystème innovant, digital au Maroc, qui a pris vraiment de l'ampleur ces dernières années. Eh bien, merci Lamia. Je donne la main à peut-être Hichem qui suit. Merci beaucoup. Je suis très ravi de participer à ce très bel panel, très belle initiative de parler à nos compatriotes à l'étranger aussi bien au Maroc. Il est clair que le digital était déjà fer de lance, on va dire, de la compétitivité d'une manière générale depuis un certain nombre d'années, surtout avec la quatrième révolution industrielle. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est vraiment une imposition du digital par le Covid. Et moi, j'aimerais bien plutôt aller dans le sens où il y a plusieurs degrés de digital. Et j'en citerai trois. Il y a la digitalisation, la digitalisation et la transformation digitale. Sur cet escalier, on va dire, de niveau de digitalisation, il y en a ceux qui vont aller pour éliminer la paperasse, ceux qui vont aller pour on va dire, mettre des process automatisés. Et bien évidemment, il y a la transformation digitale qui va chambouler le fonctionnement de l'entreprise, la rendre plus agile, plus lean, pour lui permettre d'être plus compétitif et qui répond d'une manière beaucoup plus agile à la demande du marché. Qu'est-ce qu'on voit sur le Maroc? Et ça, je pense, qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit un peu des entreprises dans différents niveaux de maturité aller sur l'un ou l'autre. Mais du moins, je confirme un peu ce que Lamia était en train de dire. On a vu vraiment une accélération majeure sur l'économie marocaine. Bien évidemment, avec des secteurs d'activité qui se portent plutôt bien dans ce contexte assez exceptionnel, d'autres malheureusement qui sont à l'arrêt, etc. Moi, j'ai eu la chance de traiter avec des secteurs comme le secteur de la santé, qui ont quand même une lourde tâche avec tout ce qu'on leur demande dans le cadre du Covid, et ils essayent de se transformer. Et j'ai vu des choses se faire d'une manière exceptionnelle au niveau de certains fournisseurs de laboratoires de médicaments, etc., où ils ont compris l'intérêt d'aller sur de la transformation digitale profonde et challenger même le statu quo de leur organisation et de prendre vraiment le sujet à fond. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas vu avant le Covid, de voir des structures moyennes aller sur un tel chamboulement avec le digital. Bien évidemment, les mastodontes d'entreprises marocaines continuent dans leur lancée lorsqu'on va parler des banques, lorsqu'on va parler des grands industriels, etc. Ils avaient déjà pris le vent en poupe, ils continuent sur ça.
il y a de très, très beaux projets qui sont en train d'être réalisés au Maroc. On n'a rien envié à des pays assez, assez avancés. En termes de disposition des ressources, là aussi, je confirme ce que Lamia était en train de dire. On voit même qu'il y a beaucoup de multinationales qui vont même venir chercher les compétences marocaines parce que vraiment, on a de très, très bons talents au Maroc qu'ils arrivent à s'exporter très facilement. On est même en train de se poser la question comment enrichir et convertir, on va dire, nos jeunes pour aller et avoir une meilleure réponse aux besoins concrets du marché en termes de ressources pour le digital. Je vais m'arrêter là. Je parlerai un peu de ce qu'on fait en tant qu'éditeur pour répondre à ce genre de besoins. Très bien. Merci, Hicham. Je vous écoute. Enfin, nous vous écoutons, Nasser. C'est difficile de rajouter sur ce qui a été dit. Donc, je vais essayer d'aborder la chose différemment. En fait, le digital ou en tout cas la digitalisation de la société marocaine, de l'entreprise, du gouvernement, etc., est en marche depuis plusieurs années. Elle n'est pas récente. Elle est peut-être un peu lente, mais elle est là. Il y a vraiment une culture de plus en plus du digital, parce que de plus en plus, en fait, on a aussi une nouvelle génération de leaders dans les entreprises qui ont compris en fait l'intérêt et qui de plus en plus vont recourir au digital dans dans la gestion de leur entreprise ou du bien public quand il s'agit de l'État. Donc le train est en marche et d'une certaine manière enfin, cette crise que nous avons passée, dans laquelle on est d'une certaine manière encore, a été un accélérateur. Parce que, en fait, ceux qui hésitaient ou qui allaient lentement se sont rendus compte que, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est bien, nice to have, d'accord, mais c'est quelque chose qui est essentiel. Et on commence à vraiment réaliser que c'est que le digital est quelque chose qui relève de j'ai envie de dire quasiment de la souveraineté ou des affaires critiques d'une nation, d'accord, à grande échelle. C'est qu'on peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas avoir ce qu'ils font en digital. Alors paradoxalement, ce qu'on a vu pendant la crise montre qu'en fait on était plutôt pas mal par rapport à d'autres pays. Je vais prendre, en fait, quand vous voulez transformer à l'échelle d'un pays, et je vais revenir sur les choses, en fait, en gros, il nous faut à peu près 4 grands piliers, d'accord, quel que soit le type de technologie de façon générale, et le digital n'est pas une. On a besoin d'infrastructures. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, les infrastructures au Maroc, dans le secteur du digital, sont plutôt pas mal. Elles ont tenu le choc. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on est passé de offline à online et l'Internet ne s'est pas arrêté, les télécoms ne se sont pas arrêtés. On a une infrastructure qui est bonne, il faut l'améliorer, il faut continuer à développer. Mais moi, je suis très content de voir que déjà, on était prêt de ce point de vue-là à amorcer le choc, alors que dans d'autres domaines, on voit bien que nos infrastructures ne sont pas nécessairement au top. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, comme le disaient Hicham et Lamia, c'est que nous avons des compétences. Et de plus en plus, des entreprises internationales viennent au Maroc chercher des compétences. Donc, on produit de la compétence, on a du savoir-faire, il faut continuer à le développer. La troisième chose qui était aussi une bonne nouvelle, c'est qu'on a un écosystème d'innovation et de start-up qui est bon, on va revenir dessus. Et je vais donner un petit exemple. Au moment du quand cette crise s'est installée, on a lancé un programme qui s'appelle ACOVID, et l'objectif était de dire, c'est en fait un appel à projet pour des startups pour dire, est-ce que vous avez des idées pour contrer cette crise ? Et que ce soit dans le domaine de la sécurité, de la santé, de la solidarité, etc. Et en fait, on a eu 200 et quelques projets. Et c'est incroyable. En 2-3 jours, on pensait en avoir 10. En fait, on en a eu plus de 200. Il fallait les trier, etc. Donc, on voit qu'en fait, il y a un écosystème qui est très solide et on voit de très, très belles choses
au quotidien. Et puis, il y a un autre volet qui, pour moi, est essentiel, c'est que nous avons un cadre institutionnel qui est beaucoup plus évolué qu'on ne le croit. On a des lois, de la réglementation dans le secteur du digital qui sont très avancées et dans certains cas qui sont du niveau international, protection des données à caractère personnel, droit d'accès à l'information, cybersécurité, des choses très, très avancées et qui n'ont rien à envier avec d'autres pays. Donc, on est très en avance, de mon point de vue, par rapport, et on peut aller plus loin. Maintenant, on n'a pas nécessairement été complètement bien préparé. Et c'est là où il y a peut-être eu un peu de travail qui est nécessaire de continuer à faire pour aller encore plus loin. Maintenant, je voudrais revenir à quelque chose qui, pour moi, est essentiel, et je vais dire. En fait, on sait bien, le Maroc n'est pas, on ne peut pas dire c'est un pays, il ne fait pas partie des 20 plus riches pays du monde, etc. On sait quelle est la situation de notre pays, etc. Or, les challenges de notre pays sont les plus belles opportunités, en réalité. Et je voudrais vraiment moi, regarder ça en tête. On connaît les challenges du pays et le digital, on l'a vu, représente une opportunité incroyable pour adresser ces challenges, que ce soit dans des secteurs tels que l'éducation, dans des secteurs tels que l'agriculture, dans des secteurs tels que la santé, etc., etc. On voit que de plus en plus, on a des jeunes qui sont animés par l'entrepreneuriat, qui sont animés par l'innovation, qui sont animés par le digital et qui sont animés par des thèmes comme ceux que j'ai cités et qui ont envie d'investir et de développer là-dedans. Donc, il y a une très, très belle dynamique. Pourquoi ? Parce que, heureusement, il y a des challenges et ces challenges sont vus, perçus par d'autres comme des opportunités et c'est la belle chose. Mais on reviendra, j'imagine, avec Lamia sur les dispositifs qu'il y a pour accompagner les projets, les porteurs de projets, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une culture de plus en plus digitale dans le pays. Les chiffres en parlent d'eux-mêmes, l'accès Internet, les gens qui sont connectés, les entreprises, et ça continue de manière assez spectaculaire. Et voilà. Très bien, merci beaucoup, Nasser. Alors, juste, je rebondis un petit peu, en tout cas pour préciser que Nasser, vous êtes Managing Partner de Hidden Clouders, qui est une start-up spécialisée dans la transformation digitale et innovation. La raison pour laquelle, donc, vous avez un super chiffre de 100-200 projets, il me semble. Non, mais c'est pas ça. Mais il y a autre chose il y a autre chose que je voulais dire. J'ai oublié de le dire. En fait, c'est intéressant. Moi, j'ai passé 25 ans de ma vie en France et je suis rentré il y a 15 ans. Je suis revenu au Maroc il y a 15 ans. Donc, je fais partie de ces jeunes à qui… Enfin, je suis plus jeune, hein, je suis vieux maintenant, on va dire la preuve. Je ne peux pas cacher mon âge, c'est difficile, n'est-ce pas, Hichem? Mais la réalité, c'est que, en fait, j'ai travaillé pendant 20 ans en France après mes études, je suis resté là-bas, etc. Et je suis revenu au Maroc et je n'ai… Et au début, je n'étais pas entrepreneur parce que je travaillais dans une entreprise dans le secteur de technologie et je suis entrepreneur depuis quelques années. Et c'est vrai que j'ai vu l'évolution du Maroc sur les 15 dernières années, c'est absolument incroyable, enfin plutôt sur les 20 dernières années, elle est absolument spectaculaire. C'est un autre Maroc. Il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est exponentiel sur tous les volets et personne ne peut, on fait avant, après, et c'est incroyable. Donc, je l'ai vécu et je n'ai pas un seul moment de regret parce que je sais que nos jeunes qui nous regardent aujourd'hui font partie de… Voilà, ils étaient dans ma position quand j'étais il y a 15 ans et je leur parle en disant « je n'ai pas regretté un seul moment ». Pardon, je t'ai interrompu. Alors… peut-être quelque chose à ajouter, Lamia, sachant que vous êtes donc directrice générale de MITC Technopark et peut-être que vous pouvez justement nous en dire plus sur tout ce qui est incentive, etc., tout ce qui a été mis en place peut-être par le gouvernement.
Ben, comme l'a dit Nasser, ces dernières années, ces 10 dernières années, on a assisté à une vraie dynamique d'un écosystème entrepreneurial au Maroc, bien sûr appuyé par des incentives gouvernementales, mais aussi une implication du secteur privé. Donc aujourd'hui, on a un écosystème qui compte plus d'une trentaine de structures d'accompagnement, donc qui sont là en amont et post-création d'entreprises, des startups. Donc il y a des programmes d'appui, des programmes d'accélération, des programmes d'open innovation. Donc, comme l'a dit Hicham, on n'a rien à envier aux écosystèmes étrangers et on assiste à une vraie ébullition. Moi, je suis au Technoparc depuis 18 ans, donc ça ne me rajeunit pas non plus. Nasser, coucou. Et je vois qu'il y a vraiment déjà des jeunes très passionnés par le digital. Et c'est pour ça que je dis, il faut que le Maroc mise sur son capital humain. Et ça a été dit par Sa Majesté dans plusieurs discours et heureusement qu'il a cette à chaque discours il lance une perche aux organismes publics et privés pour justement s'adresser aux jeunes, leur ouvrir les chances pour qu'ils puissent mettre en œuvre leurs idées, leurs innovations, leur créativité. Et ça, c'est quelque chose qu'on a ressenti en tout cas personnellement au Technoparc. On me dit, est-ce que tu n'en as pas marre, ça fait 18 ans que tu es là. Je dis non, parce que chaque jour, j'apprends avec les jeunes. Chaque jour, je réussis avec ces jeunes. Et personnellement, je ressens ça comme une réussite personnelle quand je vois des jeunes startups qui ont démarré au Technoparc dans un 20 mètres carrés avec une seule ressource, pas de financement, et que je vois après 5 ans, 10 ans, devenir de grandes PME qui sont rachetées aujourd'hui même par des groupes internationaux. Donc, effectivement, il y a des dispositifs aujourd'hui facilitent l'accès au financement, l'accès au marché, l'accès aux formations et l'accès aux compétences. Pour le financement, la Caisse centrale de garantie a insufflé un vrai souffle pour faciliter le financement des early stage et des startups à travers plusieurs programmes. Donc, ils ont labellisé 16 structures qui, elles, mettent en place 3 types de financement, donc des subventions pouvant aller jusqu'à 200 000 dirhams, des prêts d'honneur pouvant aller jusqu'à 500 000 dirhams, de l'appui technique. Il y a aussi Maroc PME à travers plusieurs produits qui encouragent la PME à se digitaliser pour augmenter sa compétitivité et pour être... pour créer de la valeur ajoutée au niveau national, mais aussi au niveau régional. Il y a l'agence du digital qui, elle a une vision 360 et connecte les besoins des administrations publiques et du privé aux startups, aux investisseurs. Donc, c'est vraiment une plateforme 360 qui milite pour que tous ces gens-là collaborent ensemble. Et c'est ce qui fera la réussite d'une vraie stratégie digitale au Maroc, c'est qu'il faut que toutes les forces vives de la nation aient la même vision et mettent les mêmes efforts, sachant qu'on a tous les ingrédients qu'il faut, hein, pour atteindre cet objectif commun de faire du Maroc une start-up nation. Il y a plusieurs initiatives. Il y a aujourd'hui le Technoparc qui poursuit une stratégie d'ouverture au niveau des régions. Donc, on a commencé à Casablanca il y a 18 ans, mais aujourd'hui, on est sur Rabat, on est sur Tanger, on est sur Agadir et bientôt sur d'autres villes. Ben pourquoi? Parce qu'on se positionne comme facilitateur à tout porteur d'idées innovantes, qu'on puisse l'accueillir, l'héberger, l'accompagner, le connecter avec tous ces dispositifs de financement, d'accès au marché pour en faire la PME et pourquoi pas la grande entreprise de demain. Sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, les Marocains sont compétents. Les Marocains, c'est des passionnés du digital. Il y a quelques temps, je suis allée dans des endroits un peu enclavés, hein, et mais j'ai vu un petit Marocain qui a 8 ans, certes, qui était pieds nus, mais qui avait un smartphone à la main. Et ça veut tout dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme l'a dit Nasser tout à l'heure, le digital, c'est le levier pour qu'on puisse porter notre Maroc à un degré plus élevé pour que notre Maroc soit compétitif et pour qu'on s'exporte à l'international. Croyez-moi, je fais partie d'une association internationale des parcs scientifiques et technologiques. Nous sommes innovants. Il nous manque juste de mettre le bon dosage sur tous les ingrédients pour qu'on puisse
aller plus en avant et qu'on puisse profiter de ce Covid, parce que là, c'est le côté positif du Covid qui a accéléré cette tendance à la digitalisation, mais maintenant, il faut qu'on la poursuive. Maintenant que tout le monde a goûté au service digital, que ce soit au niveau du citoyen, de l'entreprise, de l'administration publique, du système éducatif, de la santé, maintenant, il faut qu'on poursuive cet élan-là et qu'on puisse encore mieux servir les citoyens marocains. Et puis moi, je lance vraiment un appel à la diaspora marocaine de venir aujourd'hui, comme l'a fait Nasser il y a 15 ans, de venir faire profiter leur Maroc de leurs compétences. Et là, je parle du give back. Donc, il faut revenir au bercail, il faut revenir au Maroc. Aujourd'hui, il y a la régionalisation avancée. Vous avez des CRI, des centres régionaux d'investissement qui se sont modernisés. Vous avez des technoparks partout. Vous avez la Caisse centrale de garantie qui a ouvert des agences à travers toutes les régions. Donc aujourd'hui, il n'y a plus l'axe central Casablanca-Rabat. Le centre du Maroc, il est à Agadir. Donc, c'est vers le sud. Et moi, franchement, j'invite tous les jeunes Marocains à rentrer dans leur pays. Et il y a vraiment quoi faire. Le terrain est très, très, très fertile. Merci Lamia pour pour cet échange. Alors, j'ai une petite question qui est d'un internaute, enfin en tout cas un participant qui pose la question suivante. Alors, est-ce que cet engouement du digital au Maroc s'applique également aux PME ou bien est-ce que cela se limite aux grands groupes? Alors, peut-être je vais passer cette question à Hicham. C'est une question assez pertinente parce qu'effectivement, on a tendance à penser que les grands groupes se mettent au digital. Ça, c'est quelque chose qui a été instauré depuis quelques années. Les PME, on voit vraiment et j'ai donné tout à l'heure l'exemple dans le secteur de santé. Je suis des fois surpris par le niveau de maturité de certaines PME. Qui vraiment ont pris l'envol sur des sujets de transformation digitale qui sont assez pertinents. Moi, en tant que porte-parole de SAP, on va dire éditeur de renom sur principalement connu par les ERP, qui est la pièce dorsale de toute entreprise, parce que c'est là où tout va se passer, etc. Aujourd'hui, on voit vraiment des PME, bien évidemment avec un certain niveau de maturité, qui vont commencer à aller sur des projets qui sont très structurants, qui demandent des investissements des fois assez lourds, ce qui n'était pas le cas il y a, je dirais, 3-4 ans. Et c'est vraiment un chamboulement assez important. Et sur de la nature de ce projet, c'est des projets qui vont se faire essentiellement avec l'implication du top management. C'est vraiment des projets top-down avec bien sûr la contribution des gens et bottom-up. Et ça montre réellement que les PME sont en train de prendre conscience que c'est qu'à travers le digital et l'implication de top management qui peuvent réellement continuer à être agiles, performantes et adresser le marché. Le marché, au moins le marché panafricain, parce que c'est le marché aujourd'hui qui intéresse les entreprises, la PME marocaine, pour poursuivre, on va dire, l'élan que Sa Majesté a déjà ouvert pour aller sur l'Afrique. Très bien, merci Hicham. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, non, plutôt, est-ce que il y a des secteurs qui favorisent beaucoup plus la digitalisation que d'autres? Est-ce que certains secteurs se développent plus? Est-ce que certains secteurs sont à la traîne? Alors, n'importe lequel d'entre vous peut y répondre, je pense. Je vais commencer, peut-être Hicham ou Lamia peut rajouter. En fait, il n'y a pas un secteur qui est en avance en particulier. En fait, tous les secteurs aujourd'hui sont des secteurs dans lesquels la digitalisation est bien installée et de plus en plus. Qu'on soit bien évidemment dans le gouvernement qui a des projets de plus en plus avancés, mais vous prenez la santé, vous prenez l'éducation, vous prenez le secteur des énergies, vous prenez l'agriculture, vous prenez les industries. On est,
parle d'industrie 4.0, le Maroc est très, très avancé sur ces questions-là. Donc, en fait, vous prenez tous ces secteurs. Il y a la finance, bien évidemment, la banque et l'assurance, en fait, tout, qui sont probablement un peu plus avancées, même si on a envie de voir un peu plus dans ce domaine. C'est cross-secteur. C'est pas, y a pas, y a pas. Alors maintenant, peut-être qu'il y en a certains qui sont un peu plus en retard, mais il s'est passé quelque chose, pour rebondir à ce que disait Hichem et la question sur la PME, parce que c'est là l'essentiel. En fait, on a un tissu au Maroc qui est un tissu quand même de PME. Il y a des grandes entreprises, mais il y a des PME qui sont en train aussi de devenir de plus en plus grandes. Et en fait, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé sur les, probablement les 4-5 dernières années, c'est qu'il y a des technologies digitales qui se sont démocratisées, qui étaient peut-être un peu plus complexes avant pour aborder en particulier par la PME, et qui aujourd'hui sont à la portée de la PME parce qu'elles sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus accessibles. Elles sont sur le cloud, elles sont beaucoup plus, on paye un abonnement et puis on les a, on n'a même plus besoin d'installer, d'acheter des machines, on déroule, etc. Donc, et ça a été aussi un espèce de d'appel d'air qui a favorisé et accéléré le tremplin ou en tout cas le saut vers le digital pour beaucoup d'entreprises et en particulier les PME qui peuvent aller beaucoup plus vite qu'il y a 5 ans pour consommer ces technologies et d'une certaine manière elles vont ensuite focaliser le reste du digital ou de leurs efforts digitaux dans ce qu'appelait Hichem la transformation digitale, c'est-à-dire le volet de l'innovation, le volet de comment est-ce que je peux faire des choses différentes, comment je peux peut-être faire de la disruption ou avoir d'autres business models dans mon développement. Mais en tout cas, tout ce qui est la base, telle que l'ERP, telle que le CRM, telle que les choses comme ça, aujourd'hui, Hichem le sait mieux que moi. Elles vont le consommer rapidement dans le cloud et puis on y va, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour faire des choses et c'est beaucoup plus facile, toutes les industries aujourd'hui sont représentées, il y a tout ce qu'il faut dans les ERP, vous prenez, paf, ou le CRM et tout. Donc ça a été très 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 démocratisé et généralisé et ça je pense que c'est un point important, on a tendance à l'oublier mais pour moi il est essentiel. Merci Nasser. Peut-être Lamia ou Hichem peut ajouter des points. Hichem, le micro, oui. Voilà. En fait, je pense que Nasser il a fait le tour de la question. C'est ce qui est fondamental ici, c'est vraiment que sur les dernières années, le digital, surtout au niveau de la PME, il a été vraiment démocratisé avec le cloud. Aujourd'hui, d'autant plus que, si je prends le cas des ERP, CRM, etc., on retrouve des solutions qui incombent beaucoup d'intelligence qui sont par industrie. Je prends le cas de SAP, on a 25 industries qu'on adresse. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur la PME marocaine, aujourd'hui, on sent qu'il y a cette prise de conscience que le fait de mettre un système d'information qui est vraiment le socle de la PME est quelque chose qui est contraint de prendre vraiment conscience. On commence à avoir des sujets apparaître toute la partie Customer Relationship Management, Customer Experience, des sujets qui vraiment me font énormément plaisir, que je vois de plus en plus apparaître, même au niveau de la PME marocaine, c'est des sujets qui concernent le capital humain. Et ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas sur les 3-4 dernières années, parce qu'effectivement, la PME marocaine commence à sentir comme quoi c'est à travers le capital humain, la valorisation de ce capital humain, la simplification de la vie de ses collaborateurs, etc., qu'il peut vraiment aller de l'avant et c'est ça un facteur déterminant pour l'innovation, la transformation digitale de l'entreprise et bien évidemment pour que l'entreprise soit compétitive et pouvoir conquérir d'autres marchés. Merci Hichem. Alors j'ai une autre question. Quelles sont les limites d'une digitalisation quasi totale des entreprises marocaines sur le plan social ?
Je vous laisse choisir qui qui répond à cette question. Non, mais c'est, y a, de façon générale, il y a toujours cette espèce de crainte ou de qui consiste à dire voilà, on va digitaliser, on va perdre de l'emploi, on va avoir des robots qui vont nous remplacer, puis on va rester à la maison, qu'est-ce qu'on va devenir, on va plus trouver de boulot, etc., etc. Il y a cette espèce de fantasme qui existe. Les pays les plus digitalisés au monde, c'est les pays qui ont le moins de chômage au monde. Point. Et donc on peut rêver, c'est la réalité. Plus, et c'est ça qui est montré. Donc on a besoin, et c'est pas pour la transformation digitale d'une nation permet à une nation de faire un bond en avant très important et de tirer tout le monde dans la même table. Donc il faut arrêter de croire que c'est pas possible. La preuve, on a aujourd'hui 135 ou 140% de couverture téléphonique. On a 95% des Marocains qui ont un smartphone ou 80% de Marocains. C'est, je vais raconter une histoire. Pendant le Covid, le gouvernement marocain, Hichem sait de quoi je parle, a travaillé sur la mise en place d'une application pour le stop Covid, hein, comme beaucoup de pays, etc. Oui. Et la première question qu'on s'est posée, puisqu'on était, on s'est dit, est-ce que, parce que c'est une application, elle va servir tous les Marocains, est-ce que tous les Marocains ont un smartphone? Ben, on était très surpris quand on a pris les statistiques. Quand on a pris, ça veut dire, on avait 85% de Marocains qui ont un smartphone. D'accord, c'est énorme. Ça veut dire que, d'accord. Et donc c'était possible de faire une application et de toucher un grand maximum de gens. Donc, et ils l'utilisent. Et c'est pas, ils l'utilisent pas simplement pour eux, ils l'utilisent de manière fixe. Donc, moi, je ne crois pas à cette idée qui consiste à dire on va mettre des robots et de l'intelligence artificielle qui vont remplacer tout le monde. Moi, je pense que c'est le contraire. Si on met de la technologie pour améliorer les rendements agricoles, on aura des agriculteurs beaucoup plus contents qui vont faire beaucoup plus. Si on a de la technologie pour aider à améliorer la santé dans notre pays, y compris dans les endroits les plus distants de notre société, comme c'est actuellement en cours par de la télémédecine, eh bien, on aidera les personnes les plus défavorisées justement à être en meilleure santé pour pouvoir mieux travailler, et etc., etc. Donc, moi, je suis très, très, très positif sur justement le fait qu'il n'y a pas aujourd'hui, sur les 20, 30, 40 prochaines années, en tout cas au Maroc, je ne vois pas de limite sociale. Au contraire, je vois une magnifique opportunité pour adresser ces sujets-là qui sont au cœur, pour faire en sorte qu'on ait un Maroc meilleur sur des sujets, tels que je l'ai dit, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie, etc. Et tirer davantage de Hichem peut se rappeler de ça, parce que je sais que lui et moi, on connaissait cette histoire. En fait, il y a un programme sur les enseignants innovants. Et j'adore toujours cette histoire parce qu'au moment, elle me parle. Il y a un programme des enseignants innovants où plusieurs pays se mettent en concurrence pour dire quel est le meilleur enseignant qui utilise les technologies pour être innovant. Et bien, figurez-vous qu'un Marocain d'une petite région de Bzou avait été parmi les demi-finalistes ou finalistes au niveau mondial. Parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire en utilisant. Donc, il venait pas de Casablanca, n'est-ce pas, Lamia? Il venait de. Et il a su, parce qu'on lui a donné, parce qu'on lui a permis, comment dire, enabled, on lui a donné la technologie, pour dire, on lui a dit, maintenant, exprime-toi. Ben, il a été capable d'être au top niveau des meilleurs enseignants, pas uniquement au Maroc, mais dans le monde. Et donc, je pense qu'on a les compétences et c'est dans l'intérêt. Donc, je ne vois pas de frein là-dessus. Moi, je suis très, très positif et très optimiste. Je vais peut-être compléter sur ce que disait Nasser. Il y a deux points, à mon sens, essentiels. En fait, la réalité, c'est que ce qu'on cherche, c'est cette complémentarité entre l'homme-machine, on parle aujourd'hui Humanix, pour tirer le meilleur. Il est clair qu'on a besoin de personnes qui sont pleines dans le digital, et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de reskilling. Et bien là, c'est un appel d'air aux chefs d'entreprise pour penser à vraiment
rapidement commencer à avoir leur capital humain investi dans de la formation qui va leur permettre d'accompagner cette transformation digitale, parce qu'ils ont, ils connaissent le métier, le fait de leur donner cette connaissance digitale va leur permettre d'être innovants, etc. Donc ça, à mon sens, c'est un point qui est fondamental, qui va nous permettre d'adresser ce challenge, si on peut l'appeler, du monde sociétal versus le digital. Le deuxième point, à mon sens, qui est très important, c'est vraiment d'introduire le digital au niveau de l'éducation le plus vite possible. Je sais que le ministère de l'Éducation nationale fait un effort énorme en tant qu'acteur, on va dire, du monde digital. On a un programme qui s'appelle Coding Africa, où on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale. Il y a vraiment des performances exceptionnelles du Maroc sur l'échelle africaine, mais c'est encore peu par rapport à ce qu'on espère. Il faut vraiment qu'il y ait une inclusion très, très prononcée au niveau du monde de l'éducation pour effectivement permettre à nos jeunes d'arriver très, très rapidement à digérer le digital et de commencer à être force de proposition sur l'innovation avec ce qu'ils apprennent. Et ce qui est assez particulier, c'est que ce qui se fait ailleurs dans le digital ne va pas tout le temps nous permettre de régler nos problèmes. C'est pour cela qu'on voit l'éclosion de beaucoup de startups, parce qu'il y a des problématiques maroco-marocaines, africo-africaines qui ne peuvent être réglées que par nos propres startups. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit renforcer avec la mise à niveau de nos jeunes à un âge très, 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 très bas dans le monde du digital. Très bien, je vous remercie beaucoup, Hicham et Nasser. Nous avons 3 minutes qui nous restent pour ce live. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui, à part bien entendu ce que Lamia a dit, aux entrepreneurs marocains du monde qui sont à l'extérieur et qui s'intéressent justement peut-être à entreprendre au Maroc? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Alors, voilà, des tips, comme on dit. Je commence en premier. Vas-y, Nasser. Vas-y, Hicham, vas-y. Moi, en fait, je suis dans un campus que beaucoup connaissent, Kazan Yerchor. Et franchement, lorsque je suis dans les bureaux, je n'ai même pas l'impression que je suis complètement dans une Silicon Valley à la marocaine. Que ce soit le cadre, que ce soit le type d'entreprise, que ce soit l'échange qu'on a avec les différents collaborateurs des entreprises, on est vraiment dans un campus purement technologique. On est un petit peu déconnecté de ce qui se passe réellement dans la vie quotidienne sur Casablanca, mais ça donne une idée de ce que le Maroc est devenu aujourd'hui. C'est vraiment, on a cette capacité, et les technopoles, comme a dit Lamia tout à l'heure sur les technoparks, il y en a un peu partout, sur Casa, Fès, Oujda. Je pense qu'il y en a même des projets pour s'étaler un peu sur d'autres. Ça veut dire qu'il y a vraiment une vraie infrastructure pour accueillir nos talents. Et d'ailleurs, même sur le Kazan Yerchor, la plupart, on va dire, des collaborateurs adressent en grande partie les marchés à l'international plus que le marché marocain. Ça veut dire qu'ils vont avoir la possibilité d'être basés au Maroc, continuer à travailler à l'international et vraiment permettre d'avoir ce give back et de contribuer à l'évolution de la nation digitale qu'on souhaite pour notre pays. Merci beaucoup, Hicham. Nasser? Écoute, je vais dire ce que j'ai dit en introduction. Je suis revenu au Maroc il y a 15 ans et je ne regrette pas un seul petit moment ce retour. Après avoir vécu longtemps et travaillé longtemps en France et en Europe. J'ai envie de dire, la vie est magnifique ici. Les écoles pour mes enfants étaient superbes. La vie est magnifique. En même temps, on a tendance à oublier, mais le Maroc a fait un choix dès l'indépendance d'être un pays d'entrepreneurs, c'est-à-dire institutionnellement, culturellement, on a choisi comme modèle économique le libéralisme pour accompagner en fait
et en fait driver l'entrepreneuriat. Et donc c'est quelque chose qui est instauré dans la culture du Marocain. Et la troisième chose que j'ai envie de dire, c'est que dans cette affaire, et Lamy Aladi et Hichem l'ont dit, et pour moi c'est essentiel, en particulier dans le secteur du digital, le marché n'est pas que marocain. Oui. Travailler au Maroc, c'est profiter des talents, profiter des compétences qui sont là, des infrastructures, de l'accompagnement qu'il y a, mais c'est aussi profiter de l'image et de la position du Maroc, qu'elle soit en Afrique ou vers l'Europe, avec lesquels on a de très très bonnes relations, pour un marché qui est mondial et pas uniquement marocain. Donc l'opportunité, elle est absolument magnifique pour quelqu'un qui a envie de venir au Maroc, où il, d'une certaine manière, il va associer une vie qui est superbe avec des opportunités d'un marché qui peut être adressé au niveau mondial, parce que justement, le Maroc entretient de très belles relations diplomatiques et commerciales avec le reste du monde, ce qui ouvre des portes. Effectivement, Nasser a tout dit, et peut-être moi je rajouterais que oui, on a un très beau pays et il fait bon à entreprendre. Un pays qui a les deux rives, qui a l'Atlantique et la Méditerranée, un pays qui a du désert, des montagnes, la mer. Franchement, il fait bon à vivre, il fait bon à entreprendre, et le Maroc est un hub vers l'Afrique, le Maroc est le pont entre l'Europe et l'Afrique. Aujourd'hui, un nouveau souffle sur Dakhla, où on a vu un engouement d'investisseurs, d'entrepreneurs, les gouvernements. Franchement, il y a beaucoup à faire. Hein. Le terrain est très fertile, il est plein d'opportunités. Le digital est là, avec toutes les technologies, ces technologies de pointe qui, je suis sûre, si on les déploie sur nos secteurs stratégiques, fera de notre Maroc un autre Maroc. Très bien, je vous remercie énormément, Lamia Ben Makhlouf, Hichem Hiraqi Husseini et Nasser Kitani. Je vous remercie de nous avoir permis d'avoir un peu plus d'informations sur la digitalisation des entreprises donc, au Maroc, mais aussi les compétences dont on a besoin au Maroc et le bon vivre, finalement, dans ce pays qui nous manque énormément, finalement. On clôture cette session. Merci pour votre temps. Merci aux internautes qui nous ont suivis. Donc on bascule sur un autre lien pour suivre la session de cet après-midi. Je remercie beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.